Avec quoi je meurs, vida loca. Un pied dans le din, un pied dans le péché. Paumé. Donc et entre deux vies quand je meurs, vida loca. Un jour on s'aime, un jour on se fait la guerre. Salam à toutes et à tous les amis, c'est Rastasus, j'espère que vous allez bien. Et ben moi ça va super. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo unboxing, je pense que c'est ça. Donc j'ai cherché un peu sur internet et ça s'appelle unboxing. Donc on va unboxer des du matériel pour mon setup. J'ai envie d'améliorer mon setup. Plus les abonnements avance, augmente, c'est grâce à vous, merci énormément, et ça me donne envie d'améliorer quelques trucs, ma chaîne, etc. Donc, je précise bien, je suis pas en partenariat. Avant, j'étais en partenariat à 300 abonnés. Ce matériel-là, je l'ai acheté avec l'argent de mon porte-monnaie, comme on dit. Donc, voilà. Donc, c'est parti sans plus tarder. C'est pas du matériel professionnel, je sais, je parle beaucoup les gars. C'est pas du matériel professionnel, je l'ai acheté de chez... Voilà, vous connaissez. Pour débuter, comme vous savez, j'ai pas trop les moyens, mais on verra plus tard si on pourra acheter du matériel plus professionnel pour améliorer la qualité du live et les vidéos. Donc c'est parti, premier quelque chose. D'ailleurs ça me fait rire en fait les gars, parce que oui, si t'en vas du matériel comme ça, genre ça m'a fait rire, je vous jure les gars. Attends. Donc voilà, j'ai acheté une souris voilà, parce que en fait la souris là que j'utilise déjà elle est avec un fil. Celle là elle est sans fil les gars, je vous la montre. Voilà. Il y a des trucs que je sais pas qu'est-ce que c'est, il y a des boutons ici. Dites-moi en commentaire les gars, je sais pas à quoi ça sert. Franchement elle est stylée, hein. Je l'ai trouvé. Ah, il y a un bouton là aussi. Ok, donc je sais pas, il faut mettre une pin ici apparemment. Ah, ça s'ouvre pas. Donc les gars, il faut mettre une pin ici je pense. Ce que vous entendez c'est le truc la petite clé pour mettre sur l'ordinateur et pour qu'elle fonctionne sans fil. Voilà, voilà. Donc, on va passer au deuxième truc. Alors ça, vous allez aimer, les gars. Encore un sac. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Prochainement, les gars, prochain live, etc. Vous allez enfin me voir. Voilà. Enfin... une webcam, voilà, elle est trop stylée. Je l'ai vu sur le site, je sais plus combien je l'ai acheté. 11 à... Désolé, j'en garde par là parce que des fois la GoPro là que je filme, oui, je filme avec une GoPro parce que des fois elle bug. C'est pour ça que je vous mets ça. Voilà, donc je l'ai acheté, je sais plus, 12 euros, 13 euros. Livraison gratuite, bien sûr. Donc voilà, c'est par USB, je vous montre. Voilà, si tu veux débuter sur YouTube comme moi, n'hésite pas à aller sur Wish. Bien, si t'as les moyens, bah voilà, fais-toi plaisir. Voilà, voilà. Alors, prochainement, vous allez me voir. Alors, on passe au plus sérieux maintenant. Ah ouais, c'est plus sérieux, les gars. Alors, j'ai acheté aussi un casque gamer. Voilà, qui n'est pas aussi professionnel. C'est pour juste, voilà, je l'ai dit, je vais pas le répéter tout le temps, je vais mettre ça à côté. Donc, je vous ouvre, ça vous verra un peu ce que ça donne. Voilà, je vous montre qu'il est neuf. Ah oui, le style. Ok. Caution Deck, il s'appelle Caution Deck. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est la première fois que je l'ouvre, les gars. Je vous promets. What the fuck? What the fuck, les gars? Il est magnifique. C'est pas original, mais il est magnifique. Je le kiffe. Il y a même le micro. C'est magnifique. Je te jure que je vais le tester.
Ah oh ouais, on dirait un astronaute, je te jure. Ah ouais, elle est magnifique. Franchement, what is this? What is this? On peut le régler comme ça, apparemment. Ouais. J'ai hâte de le tester. J'ai hâte. De toute façon, on testera ça à la fin de la vidéo, les gars, vous inquiétez pas. Voilà, donc apparemment, il y a ça aussi, je vous montre. Attendez, il est un peu lourd, je trouve. Je trouve qu'il est... En plus, il est entouré de fer, en fait, c'est pas en plastique. Hein. Donc, ah oui, on peut activer le micro, désactiver le micro. Voilà. Ça fait comme ça, j'espère que vous voyez. J'essaierai de faire un zoom, là, on augmente le son et on éteint le son. C'est quoi? Ok, je croyais que c'était un bouton, mais non. Ok. Donc, ah oui. Ok, il y a une clé USB. Enfin, une clé, une fiche USB. Je sais pas si vous voyez. Ah, il est lourd, les gars. C'est pour ça que j'ai du mal. Et les fiches là pour micro, et bah franchement, donc ça, je vais la brancher à la PS4. Et ça au PC. Voilà, ça serait bien. Enfin, je sais pas si ça marche. Dites-moi en commentaire. Comme ça, vous aurez le... On pourra parler sur la console et puis sur le live. Ça serait magnifique. Je sais pas si ça fonctionne. Les gars, dites-moi en commentaire. Et ben franchement, je ne savais pas ça. Mais le casque, je le kiffe, sa mère. Voilà. Bon, on passe aux dernières choses. Et ça, je le voulais vraiment, les gars. Voilà, un clavier lumineux pour se sentir bien dans le gaming. Il s'appelle Ghost Home. Voilà. K5, vous voyez, c'est du chinois. Voilà quoi. Franchement, je suis très content, les gars. Je suis très content d'avoir des abonnés. Je suis le plus heureux du monde, quoi. Voilà. Désolé, mais c'est la première fois que je touche des trucs comme ça. C'est voilà quoi. Voilà, donc je l'ai choisi. Enfin, là il est blanc, mais le mien il est noir. Je vais vous montrer tout de suite. On va l'ouvrir. Ok. Franchement, j'ouvre avec vous, les gars. J'ai pas touché quoi. J'ai préféré. Ah oui, il est stylé, sa mère. J'ai hâte de le tester. Ah ouais. Il est stylé, les gars. Ah ouais, c'est bien ça. Attends. Ah oui, là, ça, les gars. Pour monter des trucs. Et ça, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça, les gars? Dites-moi en commentaire, c'est quoi ça? Je ne sais pas du tout. Apparemment, ça. Ah, voilà. Je l'ai enlevé. Et après? Bon, je vais brancher tout ça, puis on se retrouve à tout de suite, les gars. A few moments later. Eh bien, re les gars, bah écoutez, voilà la nouvelle caméra. Je suis un peu déçu de la caméra parce que la GoPro elle prenait tout le paysage en fait, mais celle-là, voilà quoi. Le problème c'était ma GoPro elle buguait beaucoup, c'est pour ça en fait. Celle-là elle bug pas. Je pense que j'ai réveillé ma fille, enfin bref. Donc voilà quoi. Sinon, ce que je pense du casque, je ne savais pas qu'il était lumineux, regardez. Je ne peux pas vous faire écouter, donc voilà. Il est très très beau. Il est lumineux et tout. La souris. Attends, il donne un peu chaud, il donne un peu mal à la tête. La souris, je kiffe. Elle fonctionne très bien. Sauf que j'ai essayé ces boutons-là, mais je sais pas à quoi elle sert. Ça, j'ai compris qu'est-ce que c'est. C'est pour avoir la vitesse, l'an,
Voilà, ça c'est bien. Franchement, je trouve que c'est bien. Je peux pas mettre la caméra en face, les gars, parce que ça va prendre que ça. On dirait qu'on est petit, quoi, hein, c'est vrai. Il y a ma femme qui est à côté. Je pense qu'elle va vous dire bonjour. Bonjour. Voilà, donc, oui, dernier truc, c'est. Je vais faire ça à la mode blédard, les gars. Je suis un peu fainéant en ce moment, je veux pas sortir ma caméra. Voilà le clavier. Je suis pas déçu, franchement. Je ne suis pas déçu. Voilà, y a de la lumière, quoi. En grand, en plein noir, on peut voir. Et franchement, c'est bien. Voilà. Et ben voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé. Je sais, j'ai commencé avec mes lunettes et je finis sans mes lunettes parce que je suis un peu déçu de la cam. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Dites-moi votre avis. Et puis ben voilà, portez-vous bien. À plus, c'était Rastasez. Yeah.